Un nouveau monde des métiers porteurs attire les jeunes aujourd'hui grâce à l'ascension fulgurante du numérique. On parle désormais de la nouvelle économie. Givani Goma, entrepreneur en art visuel, énumère quelques métiers. Aujourd'hui, on parle des développeurs web, on parle des designers graphiques, on parle des motion designers, on parle des community managers, on parle même des social media. À l'époque, ce sont des métiers qui n'existaient pas, mais c'est grâce à Internet que ces métiers existent. Alors, donc, ce que je conseillerais, ce que je demanderais aux jeunes, ou bien encore aux personnes intéressées au numérique, d'apprendre et de s'intéresser à ces métiers, car c'est l'avenir de demain. 62% des Congolais utilisent le 2G, 21% le 3G et 17% le 4G. Le Congo s'est doté de quelques infrastructures, ce qui ouvre davantage les meilleures perspectives du secteur. L'arrivée de la fibre optique au Congo est une grosse évolution pour nous. Pourquoi ? Parce que ailleurs, les gens ils apprennent en ligne. Voilà, c'était déjà pour nous un grand frein, parce qu'on ne pouvait pas apprendre, on ne pouvait pas prendre des cours en ligne. Mais actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées sur des plateformes en ligne et arrivent même à évaluer en ligne. Bien que ressemblant à un saut vers l'inconnu pour certains jeunes, quelques métiers exigent un niveau plus élevé et un sens de reconversion. Vous allez remarquer, c'est souvent après le baccalauréat que les gens s'intéressent au métier. Mais c'est grandement faux. Les gens, ils peuvent apprendre d'une part et en respectant le cycle scolaire. Dès que l'enfant a le bac et tout, ce qu'il doit faire, c'est d'abord chercher un chemin à la force publique. Alors que ce n'est pas ça la vraie vie. L'enfant peut faire ce qu'il veut. Et voilà, après que j'ai fait ce que les parents ont voulu, aujourd'hui, je me suis retourné vers ce qui est du numérique, ce qui est les métiers de l'avenir, en fait, les vrais métiers de l'avenir. Voilà comment je me retrouve ici aujourd'hui, de par ma propre volonté. J'ai une licence en éducation physique et sportive à aujourd'hui monsieur à la post-production. S'annonçant à grands pas, l'économie numérique attire l'attention de plus d'un État qui en fait un grand vivier d'emplois et de métiers de demain.